Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc déjà, avant de commencer à parler de l'heure, je voulais surtout vous remercier. On est presque à 1700 abonnés sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Donc ce que je vais faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, c'est que je vais faire un petit jeu concours YouTube. Vu que j'ai commandé tellement d'heures, j'ai au moins une vingtaine de paquets en trop que je peux facilement faire gagner à l'un d'entre vous. Voilà, donc ça, je tenais absolument à le dire. Merci beaucoup, hein, de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Donc on va commencer par le premier colis de chez ES Fishing. On va commencer le déballage et après un autre petit colis encore là que je vais vous présenter également. Donc je vais juste ouvrir celui-ci. Alors, donc qu'est-ce qu'on a de chez ES Fishing? J'ai commandé, donc pour ceux qui connaissent, hein, la copie du KTech Easy Shiner en 2 pouces. Donc là, j'en ai vraiment commandé pas mal. J'ai commandé 9 sachets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a deux qui ont été offerts. À savoir que chez ES Fishing, si vous commandez ce leurre-là, pour 4 sachets à acheter, un sachet offert en fait. Donc déjà là, je vais vous présenter un peu les coloris. Vraiment de très très beaux coloris, hein. Donc il y a celui-ci, il y a ce coloris-là que moi j'adore énormément, le dos blanc avec le ventre transparent paillettes, ça c'est un super coloris pour moi. Après il y a celui-ci qui est vraiment pas mal du tout aussi. Il y a celui-ci, toujours avec des paillettes, hein. Il y a celui-ci, celui-là je vais le mettre de côté parce que chez Kitech j'ai le même leurre avec la même couleur, comme ça on peut comparer pour voir la différence. Après il y a celui-ci. C'est vraiment tous de très très beaux coloris, hein. Il y a le rose paillette. Il y a celui-ci. Ça c'est quasiment le même que l'autre, sauf qu'il y a des paillettes vertes à la place des paillettes bleues. Il y a celui-ci qui a été offert parce que celui-ci, ce coloris-là, je l'ai pas commandé en fait. Et il y a celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai en 2 fois, quoi. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, je vais le faire gagner dans le jeu concours, en fait. Il y a ça. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à ouvrir un petit sachet. Donc, ce leurre-là, une pochette, la première pochette, elle est à 10 centimes et les suivantes, ils sont à 4,86. À savoir qu'il y a 20 leurres souples à l'intérieur en 5 cm. Et chez KTech, le Easy Shiner en 2 pouces, il y a 12 pièces pour 10 euros tout rond. Donc honnêtement, déjà là, il y a une grande différence de prix pour quasiment le double de l'heure. Donc ce qu'on va faire, pareil, hein, ça, je tenais à le dire, hein, vous voyez, c'est exactement comme chez KTech. Ça évite d'écraser les paddles en fait et que le leurre il se déforme. Donc déjà ça, c'est un super point positif. Par contre, ça sent hyper fort. Hein. Parce que je connais cette odeur-là, c'est... Attendez voir. Ça sent le crabe. Honnêtement, ça sent le crabe. C'est un truc de dingue. Donc, pour ce qui est du leurre, honnêtement, il est très bien fait. J'en prends quelques autres juste pour voir s'ils sont tous pareils. Pareil, le paddle, il est super droit. Si j'en prends un autre, vraiment pour voir. Hein. Pareil, le paddle, il est top. Le coloris, il est vraiment excellent. Transparent avec le dos légèrement gris et des paillettes jaunes, jaune bleu, on va dire. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le coloris de chez KTech, vu que c'est la copie. C'est le même coloris. Qu'est-ce qui donne le paddle? C'est exactement pareil. Et franchement, c'est un truc de dingue. Hein. Regardez-moi ça. C'est quasiment la copie parfaite. Celui-là, là, c'est le de AliExpress. Et celui en dessous, c'est celui de KTech. Et le coloris, c'est un copier-coller. Mais c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment le leurre copier-coller. Hein. Ça, c'est KTech. Ça, c'est AliExpress. Regardez-moi ça. Pour le prix, je vous l'avais dit, hein, c'était 4,86. C'est incroyable. C'est exactement le même coloris. KTech, hein.
et AliExpress au-dessus. Donc là, on peut voir que vraiment, c'est un copier-coller et franchement, il est super bien fait. Là, il n'y a pas à chipoter, hein. Si jamais vous entendez du bruit, hein, c'est le lapin qui saute dans la cage. Je crois qu'il a envie de sortir, il est en train de mordre tous les barreaux, là. Donc là, honnêtement, je suis vraiment bluffé. Et le coloris, c'est le coloris identique. Hein. Ce que je vais faire également après, je vais faire une petite vidéo sous-marine, justement, pour que vous pouvez voir la nage du leurre, quoi. Donc, on va déballer un autre sachet. Pour vous montrer un peu les coloris qu'il y a. Je vais en faire un autre, un peu plus flashy. Comme ça, on peut voir si les leurres ils sont propres ou pas. En tout cas, ce sachet-là, il n'y a rien à dire. Hein. Ils ne sont pas déformés du tout. Hein. C'est surtout dû au packaging. Hein. Donc ça, honnêtement, une très très grosse surprise pour ma part. Hein. On va prendre du rose. On va voir ce que ça donne. Alors, si je prends un rose, là, le padel, il est vraiment très très légèrement déformé, mais alors très très léger. Regardez-moi ça, ce coloris, comme il est magnifique. On va prendre un autre. Tac. Là, c'est vraiment parfait. On a l'impression d'avoir du Kitec en fait. Avec ce super coloris. On va ouvrir un autre petit sachet, le transparent, avec le dos blanc. Je pense que c'est identique, hein. Je pense qu'il est très bien fait aussi. Alors, je prends le premier venu. Regardez-moi ça, parfait. Ça, c'est un coloris que moi j'apprécie énormément. Vu que je pêche toujours dans les eaux vraiment translucides, des eaux super claires, ben ça fait souvent le taf, ça fait souvent la différence. Tac. Ils sont vraiment parfaits. Hein. Pour les prix, il n'y a rien à dire. Ça, honnêtement, vous pouvez pêcher avec une petite tête plombée en 3 grammes comme ceci. C'est vraiment top. Ou alors en drop shot, ça marche super bien aussi. On va en prendre un autre, juste pour voir qu'ils sont tous nickel. C'est top. Hein. C'est vraiment une copie exemplaire. C'est incroyable. Ce que je vais faire, je vais vous mettre une petite vidéo avec la nage, comme ça vous voyez directement. Allez, c'est parti! On va déballer le deuxième colis. Ça, c'est un ami à moi qui m'avait conseillé ce leurre là. C'est un super leurre pour la perche, l'asp, le chevesne. Alors, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Tac. Alors, je sais pas si vous connaissez, hein. Moi je connaissais pas du tout ce leurre, hein. Donc j'ai pris dans ce coloris-là, ce leurre-là, il fait, alors je vais vous dire ça tout de suite, 5,5 cm pour 4 grammes et il est à 2,02 €. Donc ce coloris-là, je l'ai pris comme ceci aussi. J'ai pris celui-ci qui fait plus naturel. Et à noter, hein, tous les leurres qui ont des triples. Il y a toujours une petite protection, même en France, honnêtement, c'est très rare qu'ils vendent des leurres comme ceci. Et on a celui-ci. Ça, c'est vraiment un coloris que j'apprécie pas mal aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais déballer celui-ci. Alors, tac. On va
la petite protection sur le triple. Voilà. Regardez-moi ça. Avec une petite bavette devant. Donc ça, c'est un leurre coulant. Hein. Donc moi, ce que je vais faire par la suite, c'est quand je vais pêcher avec, je vais enlever le triple et je vais mettre un petit hameçon simple en taille 10. Ça va être beaucoup mieux. Mais regardez-moi ça. Ce leurre-là, il est en 5 segments. Il y a un petit filet à l'intérieur. Je vais juste voir si c'est costaud. Ah ouais, là, vous pouvez tirer dessus. Il ne bouge pas du tout. Le seul truc là-dessus, ils auraient dû enlever le triple et mettre un hameçon simple de base. Donc en fait, c'est un leurre coulant. Hein. Il est fait avec le matériau, c'est de l'ABS si je ne me trompe pas. Donc quand vous jetez ce leurre, si vous le moulinez directement quand il tombe dans l'eau, ben, il va rester à la surface. Si vous laissez couler au fond et vous moulinez doucement, il va rester au fond. Il ne va pas monter. Mais ça, c'est vrai que pour le chevesne ou la perche ou l'aspe, c'est vraiment un super leurre. Regardez-moi ça, c'est vraiment le petit filet qui... En fait, quand il nage, il va faire ça. Il aura une petite nage en S et assez rapidement, hein, ça va vraiment frétiller rapidement. C'est vraiment un super beau petit leurre. Ça, moi, perso, je le conseille. Hein. C'est un ami qui me l'a conseillé et il m'avait montré comment ça nageait, quoi. Et franchement, c'est vraiment super réaliste. Hein. Pour la perche, je pense que, ou le chevesne, c'est vraiment le top. Hein. Je pense que ça, il y a moyen de faire pas mal de poissons avec. Et c'est assez costaud. Hein. Regardez, je tire bien dessus et ça bouge pas du tout. Hein. Ce que je vais faire, je vais vous mettre une petite vidéo de la nage exactement comme j'ai fait avec la vidéo d'avant. Comme ça, vous pouvez voir, constater par vous-même comment ça nage. Mais ça, pour le prix 2,02€. Ouais, c'est ça, 2,02€, c'est vraiment parfait. Les yeux sont bien faits, c'est vraiment à l'heure bien fini. Hein. Sauf ce triple, ça défonce beaucoup trop les poissons. Hein. Celui-là, franchement, il faut vraiment que j'enlève et que je les monte avec un hameçon simple en taille 10. Allez, c'est parti, je vais laisser place à la vidéo de la nage, comme ça vous voyez directement. Donc pour conclure cette vidéo, je suis vraiment agréablement surpris hein, de chez ES Fishing hein, pour la copie du Easy Shiner en 2 pouces. C'est vraiment un copier-coller parfait. Hein. Il n'y a quasiment pas de différence du tout hein, quand vous regardez. Hein. J'attends encore 3 commandes. Donc ça sera des commandes sur des cranks. Donc je vous ferai une vidéo unboxing également. Et après ça, il faut que j'arrête parce que sinon je vais finir par avoir un magasin de pêche chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, hein, mais moi j'arrête pas de commander pendant la fermeture. Donc vivement l'ouverture. Ce que je vais faire dans les prochains temps, ça sera un concours YouTube, comme je vous ai dit au départ. Hein. Il y aura à peu près une vingtaine de pochettes de leurres différents. Hein. Ça sera pas toujours les mêmes leurres. Au moins, ça fera profiter un d'entre vous. De toute façon, je pourrais pas pêcher avec tout ça, il y en a beaucoup trop. Voilà les amis. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter. Hein. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que j'ai énormément de vues. Et j'ai quand même quasiment 1700 abonnés. Mais quand même, avec tous les vues que j'ai, il devrait y avoir beaucoup plus d'abonnés. Bah, merci à tous ceux qui sont abonnés hein, déjà. Hein, ça fait vraiment plaisir hein, parce que comme j'avais dit au départ, hein, on est vraiment hyper nombreux déjà. Je ne pensais même pas arriver à 500 abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mille merci à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo unboxing. Ciao, ciao les amis!